Je suis Monseigneur Laurent Dabiré, évêque de Dori et président de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Je suis de passage en visite au siège de l'aide à l'Église en détresse. Et c'est une grande joie pour moi de venir en ces lieux. C'est l'occasion pour moi de dire merci à la Fondation Kirche in Not, aide à l'Église en détresse, pour le soutien qu'elle donne aux églises en grande difficulté du fait de la persécution, du fait du terrorisme, du fait des crises politiques, comme c'est le cas actuellement au Burkina Faso. Moi-même, j'ai bénéficié d'une bourse d'aide à l'Église en détresse lorsque j'étais étudiant à Rome dans les années 1998-2004. Et c'est cette bourse qui m'a permis de me former, de me préparer et de me mettre au service de l'Église. Et la formation reçue m'aide beaucoup aujourd'hui pour mener ma mission d'évêque. Donc je me suis spécialisé en droit canonique et civil à l'Université pontificale du Latran. Donc c'est vraiment une grande joie pour moi, un bon souvenir et une belle solidarité que j'ai ressentie avec cette bourse d'aide à l'Église en détresse et aujourd'hui cet accompagnement d'aide à l'Église en détresse des projets du diocèse de Dori, de toute la conférence et des églises qui ont besoin afin que la mission du Christ, la mission de l'Église soit accomplie partout où les disciples du Christ essayent de continuer cette mission aujourd'hui. Vraiment, je suis plein de reconnaissance pour cela. Et je dis bon vent toujours à aide à l'Église en détresse pour soutenir donc la croissance, la présence de l'Église à travers le soutien donné donc aux prêtres, aux religieuses, aux laïcs engagés pour qu'ils soient formés et soient plus efficaces dans le champ du Seigneur. Grand merci.